Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel des crochets. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire l'anneau magique, le cercle magique. Pour faire l'anneau magique, le cercle magique, il faut positionner le fil comme ça, de cette façon. La partie courte du fil vers vous et la partie du fil de travail, la longue, vers l'extérieur. Puis il faut passer le fil autour les doigts, comme ça. Comme vous pouvez voir, nous avons créé l'X ici. Puis prendre les crochets, les passer sous le premier fil, prendre le deuxième et les tourner un peu. Il faut tourner un peu les crochets et prendre le deuxième fil encore et les passer à travers la boucle qu'on vient de créer. Puis il faut tirer ici un peu, il faut travailler dans le cercle. Et puis, pour commencer, il faut faire le nombre de mailles en l'air dont vous avez besoin, selon la maille que vous voulez faire. Donc, une maille en l'air pour faire la maille serrée, deux mailles en l'air pour faire la demi-bride, trois pour faire la bride, quatre pour faire la double bride, etc. Je vais faire quelques brides, donc je fais 3 mailles en l'air, et pour faire la bride, c'est toujours la même chose, un jeté, insérer les crochets dans le cercle, ramener le fil, et puis un jeté, passer le fil à travers les deux boucles, un jeté, passer le fil à travers les autres deux boucles. Encore un jeté, insérer les crochets dans le cercle, prendre le fil, ramener le fil. Un jeté, passer le fil à travers les deux boucles sur le crochet et un jeté encore et faire passer le fil à travers les autres deux boucles sur le crochet. Je vais faire encore quelques brides. Dernière bride. Pour fermer le cercle, il faut tirer ici la partie courte du fil. Comme vous pouvez voir, se ferme complètement. Et pour continuer, il faut piquer les crochets dans la troisième maille en l'air ici et faire une maille coulée. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine fois. Au revoir.